Technicien, cadre, ingénieur, le Burkina Faso cherche d'urgence une main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans le secteur minier. En moins de 5 ans, 7 mines sont entrées en production. Dernière en date, la mine de Bissa, située dans la province du Bam, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Bissa Gold, filiale du groupe suisse Nordgold, y a écoulé son premier lingot d'or il y a moins d'un mois. L'entreprise, comme beaucoup d'autres, recrute aujourd'hui en masse. Problème, la moitié des jeunes burkinabés au chômage ne sont pas formés et ne possèdent pas les compétences nécessaires. C'est difficile de trouver du personnel qualifié sur place, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fait pas des efforts pour offrir des emplois à la population locale. La compagnie s'est engagée à réserver 590 postes à des Burkinabés sur le site et à créer 300 emplois supplémentaires indirects dans la région. Cependant, la plupart du personnel local est employé comme ouvrier ou sur d'autres postes subalternes. Pour assurer les fonctions d'encadrement et de gestion, les compagnies minières sont souvent obligées de recruter dans les pays voisins et sur d'autres continents. Il y a plusieurs nationalités employées dans cette mine. Il y a des Américains, des Canadiens, des Britanniques, des Australiens, des Sud-Africains, des Ghanéens, des Maliens, des Guinéens, des Ivoiriens. Nous sommes une équipe unie dans le travail à Inata. En 3 ans, l'or a détrôné le coton en devenant le premier produit exporté. De nombreuses sociétés étrangères se sont installées dans le pays et des millions de dollars ont été investis. Le Burkina Faso n'a pas su anticiper ce changement, mais le gouvernement tente de rattraper le temps perdu en formant ses propres ingénieurs et géologues, comme ici dans l'école des mines. C'est vrai qu'on a des géologues à partir de l'université qu'on sortait, mais c'est des géologues juniors, comme on dit. Et c'est des... En fait, ils sont utilisés à un certain niveau de travail. Par contre, les hauts cadres, pour beaucoup de compétences, ils étaient obligés de les amener de l'extérieur. 6 nouvelles sociétés minières négocient actuellement des autorisations d'exploitation pour divers gisements à travers le pays. L'État ne cesse de délivrer de nouvelles licences. Fin janvier, à Percoa, la première mine de zinc du pays était inaugurée par le Premier ministre. Exploitée par un groupement composé du Suisse Glencore, de l'Australien Blackthorn Resources et du Burkinabé Nantou Mining, elle a nécessité 250 millions de dollars d'investissement. Au responsable de la mine de zinc qui m'accompagnait, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a des cadres burkinabés? Ah, il m'a dit, bon, pour le moment, il n'y en a pas assez, mais eux-mêmes, dans leur stratégie, c'est de faire en telle sorte que les étrangers qui sont là, qui occupent des postes clés, des postes d'ingénierie, soient remplacés progressivement par les burkinabés. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrons mettre l'accent sur la formation, effectivement, des hauts cadres dans le secteur minier. Je pense que cela sera vraiment une véritable plus-value pour nous et c'est une de nos préoccupations majeures. Je vous remercie. En 2012, l'industrie minière a généré 200 milliards de francs CFA de recettes publiques, soit près de 305 millions d'euros, multipliant par 20 la contribution du secteur au budget national. Une manne que le Burkina Faso devra gérer au mieux pour former rapidement une main-d'œuvre qualifiée dans un secteur en pleine expansion.